Bienvenue dans un nouvel épisode de Final Fantasy IX. Nous étions donc à la porte sud et nous avions un moment de sauvegarder. Est-ce que j'avais déjà fait le tour des commerçants? Ok, j'ai tout ce qu'il faut. C'est un truc que je n'ai pas. Potion 82. Ok. Attends, arrête, laisse-moi tranquille, je vais pas jouer aux cartes. On va faire un scorpion. Quelles sont vos spécialités? Je conseille notre carte. Non. C'est moi qui me propose une tarte maroilles. Ok. Pourquoi pas? Je vais patienter s'il vous plaît. Alors, du coup. Non, je crois que j'avais tout équipé. C'est pas ça. Je voulais faire, c'était l'équipement. Oui. Pourquoi je peux pas t'équiper autre chose, non? Parce qu'on n'a pas autre chose. Un curnier. Bah voilà, pourquoi je te mets... Sérieusement. Beast Killer. Ok, on va garder celle-ci. On va la prendre Beast Killer, de toute façon, on se fera après. Ok. Compétences, du coup je vais t'activer 2-3 petits trucs, la mise là. Mithridate de préférence, c'est celui-ci, poison toxique, impeccable. Alors. On est parti! Donc on avait entendu un truc bizarre, excuse-moi. Ah oui, c'est vrai qu'à chaque fois, de toute façon, que je sors d'un côté ou de l'autre, ça change absolument rien. Ok, bon, on est reparti. Tarte Marvel, on faudrait. Brigand. Je vais devoir vérifier juste une chose au niveau de ma poste. Non, je m'en fous. Ok, dégage. Dégage. Salut! Ah, je fais ce que je veux, Mister. Ah! Ok, je vais te dire fermer ta gueule. Voilà. Taisez-vous. Moi j'aurais dit ta gueule, mais bon. Je vais pas y aller, je retrouve. Merde, Skyler. Oh, moi j'ai oublié le timer. Non, c'est dans mon truc. Hop, excusez-moi. Hop là, c'est parti. C'est un petit peu plus long. Allez, viens. Oh là, ce mec là, il est vraiment trop douche. Ok. Par précaution, on va sauvegarder. Allez, dépêche-toi. Allez. Oh. Alors, du coup, j'ai mon casque qui est vraiment. Hop. J'ai mon casque qui est vraiment en fait tiré à bloc sous un livre projectile en fait, qui traîne par terre et que le chat joue avec, n'est-ce pas? Qui dort maintenant. Tout à l'heure en fait, ça n'arrête pas d'être
d'être totalement à fond, et là elle dort. Ok. Ok, on est parti. Ah, raté. Il y avait une barrière. Ah, il n'y a plus d'âme. Ok, on y va. Prudent, surtout. Frangin. Hop. Steiner. Vite, princesse, montons. C'est Sina. C'est la prison. La partie artisan du bas. Petite princesse montée. Ok, bon d'accord, d'accord, je monte. Foutez-moi la paix. C'est une princesse, putain, elle fait ce qu'elle veut. Attends, c'est une gueule qu'elle a la meuf. Ici on est pas. Je sais pas c'est quoi. Ouh c'est bon. Ah oui, Franck, il est resté pétrifié. Il est platine. Faire. Ta-da-da! Que se passe-t-il? Je vais voir. Allez voir, vas-y. Ah! C'est affreux! Ah non, Marcus, viens m'aider! Non, pas lui. Ce fils de hutte. Mission. Oh putain, la vache. Un qui coule. C'est sûr. Ah non, un qui coule, le sauvage apparaît. Mission. Ah, capturer princesse vivante. C'est pas la peine pour moi. Effacer. Ah, j'ai une. Oh, les yeux saignent! Non! Vite! Alors, généralement, j'ai deux trucs à lui repiquer. Lui, il a deux cannes qui sont intéressantes, si je dis pas de bêtises. Foudre canne et la canne feu, exactement. Alors, on va essayer de le voler. Et forcément, c'est le gars qui va lancer les hostilités. Là, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de bouclier sur les choses. Oh, carapace, rappelez-moi. Donc physique, attaque magique. On va mettre ça sur Marcus. Non, toi tu vas voler. J'avoue... Mais c'est pas ça que je veux que tu voles. Objet, potion, Marcus, magie blanche. Soin sur tout le monde, vas-y. Pourquoi sur tout le monde? Quoi que tu me dises, peut-être que. Non, non, j'ai fait un. J'ai pas combattu depuis, donc en fait, ça sert à rien. Vol raté. Oh putain. Ah mon dieu, j'ai pris une claque dans la gueule. Un coup de bâton. Oh putain, sérieusement. Ça va être long là. Percer, c'est quoi? Soit une possible pétra quand vous pouvez quitter du poison. Cécité, protège de l'obscurité. Provoque obscurité. Allez, Marcus. Objet, on s'en fout. Voler. Foudre. Ça arrête. Et on va à Marcus, quoi. Magie blanche. Blindage sur Marcus. Toi tu vas faire un objet potion sur Marcus. Et toi Marcus tu vas voler. Ok, t'es protégé contre la magie et le physique. Enfin, dégâts réduits quoi. Chut.
Vol raté. Putain, mais sérieusement, quoi. Et forcément. Ah, il est gelé. Oh merde. Oh, c'est pas plus mal, de toute façon, il me sert à rien. T'as la vache. Vol raté. Mais putain, Marcus, fais quelque chose. Vol correctement, ça va être très très long. Ça. Brasier. T'as raison. T'as perdu la carapace, monsieur. On va le rater, très sérieusement. Oh. Tout fou, objet. Marcus. Magie blanche. Carapace sur Marcus. Là, il n'y a plus de bandage non plus, donc il n'y a plus rien. Ah, vol, pardon. Excusez-moi. Parce que les dégâts physiques sont extrêmement mal. Foudre canne. Yes! Oh pardon, Vendor, son Marcus, objet, son Marcus, et toi tu voles Marcus. Ah il y a qu'un feu et c'est bon, je te fous la paix après, après t'attaques. Et toi aussi d'ailleurs tu vas attaquer. Vol raté, oh, oh, oh. Voilà, ok, c'est bon, on est parti. Bonne merci. Oui, oui, la canne feu. Dans ta gueule, attaque. Tout le monde attaque. Oh la vache. Fait bien plus mal que les autres. Allez, on s'en fout. On s'en fout du. Tu prends des dégâts dans la tronche, tu en as fou, tu te défonces. Voilà. Nickel. Oh, ça fait combien de temps? Ça fait 20 minutes, putain. J'en peux plus. Ok, que des points de compétences. Super. Hop, on mène à Kim en route, je suis trop chaud. Pourquoi? Comment? Comment as-tu pu devenir ainsi? Oh, j'en ai ras le cul. Bon, j'ai dû couper le, sûrement le combat, hein, parce que ça a duré trop longtemps. J'en peux plus. Il a mis 3 plombes à récupérer cette putain de canne feu. Ah, oh, t'es vraiment nul, Marcus. Tu sais pas voler des trucs. On va appeler Zidane. Bon, en tout cas, les gars, fait beaucoup plus de dégâts que Steiner. C'est le healer qui tape plus que le tank. Truc de malade. Nous serons bientôt avec ça. À moins que. À moins qu'il ait été en arrière. Et dans ces cas-là, je peux comprendre qu'il ait pris. Ok. C'est pour ça qu'il est tapé pas si fort en fait. Parce que 60 points, j'avoue que. C'est pas que c'est un tatouage qu'il a sur ses bras, lui. C'est vrai, il arrive tant de choses. En fait, j'y pense pas. L'autre qui s'incruste à chaque fois, quoi. J'y pense. En fait, je viens avec vous. D'accord. Mais si j'ai pas. Si je dis non, vous venez quand même. Ouais, non, mais c'est décidé comme ça en fait. Oh putain. C'est prudent. Droite, ça va être Reno. Oh, pardon. non, je m'en fous. Je vais aller. Alors. Non, pourtant il est en avant, je comprends pas. Oh putain, c'est vraiment une merde, Steiner.
Équipement. On va voir, t'as quoi comme équipement? Épée de fer, j'ai déjà. Robin Hood. J'ai déjà un Robin Hood. Ouais, j'en ai une deux. Un poignet, j'en ai déjà. Une cuirasse. Putain. Je te mets ça, j'en ai déjà deux. Poignet, je peux t'en donner un autre, non, parce que... T'as pas une main? Ouais, non, je prends de te donner des trucs, en fait. J'ai pas tellement envie de te stuffer, étant donné que tu vas nous quitter plus tard. Donc, compétences. T'as des compétences, toi? Non, t'as rien. Pauvre merde. Est-ce que tu... C'est quoi, ça? Ah, une canerie. Impeccable. Bonjour, bienvenue. Je vais prendre plein de potions, s'il vous plaît. Voilà. J'ai plein de potions. Puis à cause de Steiner, j'en prends 3. J'en fais 21. merde, parce que je voulais faire. Non, enfin, voilà. Ça en fallait 10, sinon ça marche pas. Ok, cassons-nous. Un peu plus. J'arrive pas à gérer avec le joystick. Donc il m'a dit à droite, à Traîneau et à gauche, c'est Dali. C'est bien ça, hein. Bon, on s'en fout, on se casse. On va à Dali. C'est bien ça, ouais, c'est ça, Dali. Bonjour, je vais à Dali. Ouais, c'est cool. Ouais, c'est ça. C'est bon, laisse-moi passer. Cassez-vous, je vais passer. Au revoir. Oui, on est sur la map monde. Wouh. On va aller à Dali. Oh, ça fait longtemps un combat. Vas-y, princesse, défonce-les. Oh mon dieu, une attaque surprise! Non! J'aime pas les attaques surprises! Trop violent! Oh putain, un dagger en plus en front line. Oh merde! Allez, plus vite! Oh, c'est super long la TB! Et bim, dans ma gueule! Bim, allez, attaque! Toi aussi t'attaques et toi aussi t'attaques. Allez. Quoi, elle fait point de dégâts quand elle en attaque, les gars? Ouais, en fait, autant que quand elle en a rien. Ok, 66. 26. T'as été vraiment une merde, Tyler, en fait. Je me rappelle maintenant pourquoi je t'avais pas récupéré dans mon équipe. Attaque, vas-y, les gars, défonce-le. T'as quand t'es en offensif, il fait 60 points de dégâts quand t'es en défensif, il a 26 points de dégâts. Sérieusement, c'est un tank, lui. Oh. T'es le chevalier, tu vas droit dans le tas, normalement. T'es censé faire des dégâts, putain. Oh, je vous jure. Bonjour. C'est nous, ça fait longtemps. Je vais aller par là. Parce que si je dis pas de bêtises... Oh. Ok. Non, c'est pas... Le Mog, il est là. Ouais, il est là. Salut Mogo, Mog Post. Non, c'est pas ça. Sauvegarde, oui. Je veux sauvegarder Kubo, oui. Allez, on sauvegarde. Ah, et le chat moche, là. Ah oui, le chat moche. Ah, quelle horreur. Oh, je suis moins riche qu'avant. C'est n'importe quoi. On va dormir un peu. Ouais, je perds des jours de voyage comme ça. Mais dans le jeu, ça s'écoule pas le temps. Donc on passe une nuit, mais non, mais arrête. On passe une nuit, mais ça change rien strictement. Y'a rien qui change. Qu'est-ce que je voulais faire? On passe ici. Bonjour, j'allais faire des haches. Oh, vous êtes revenu? Non. Bienvenue, d'accord. Dag, on s'en fout. Flamberg, épée de fer. Oh, mais ça, j'en ai déjà une. Un bâton sans tape. Cuir miel, j'en ai un. J'en prends un autre. Je vais mettre ça à Marcus. Une hood. Ok. Quoi, je n'ai pas d'armure là? Quel est ce délire? Il faut toujours un équipement de chaque, ça va pas, non? Au moins un de chaque. Que je dois faire des. La forge. Sous mes yeux. Conseil. Ah merde, je me suis fait niquer. Équipement, Marcus, je vais t'équiper un peu mieux. Comme une hood. Ouais, bah en fait, t'as que ça. Un poignet, donc je mettrai un cuir miel, je dis, c'est mieux. Et là-dessus, je vais te donner, bah rien du tout, on va te faire.
J'ai pas d'accessoires, putain, c'est de merde. Steiner, t'es où? Ah, en fait, j'ai dû la donner à quelqu'un d'autre. Undead Killer, on s'en fout. Ta-ta-ta-ta-ta. Encore 5 points. Ah, oh, putain, il faut vraiment qu'on bute des monstres. Dégagé! Ah, ici. Bonjour! Oh merde. On va se faire têche encore une fois. Ok, on se casse. Non, c'est là. Normalement, c'est là où il y a un coffre où j'ai accès maintenant. Oui, il y a l'autre con qui s'est barré. Voilà, je pense à récupérer ça. T'es venu. On s'en fout! Voilà, voilà, un putain d'élixir en plus. Faut déconner. Un élixir! Et à moi les élixirs. Ok. On va traverser la forêt avec un peu de chance pour trouver des petits trucs tout mignons. Oui, un truc tout mignon! C'est quoi? C'est un quiz ou l'autre? Oui, c'est un truc tout mignon! Alors attends, il faut que je le note celui-ci. Tac tac tac, c'est lesquels? C'est ceux-là, et j'ai oublié de prendre mon truc. C'était. Donnez-moi vos gemmes, oui d'accord, moi aussi j'aime beaucoup. Alors eux ils sont super sympas, il faut leur donner systématiquement ce qu'ils demandent. Avec la spécifique. Sauf un, le chat noir. Non. C'était vraiment des bâtards. Un Esturiax, c'est le tout premier donc impeccable. Tiens, je te jette une gemme dans ta gueule. Tiens, bim! Merci! Les anciens fantômes! Voilà, eux ils vous disent en fait de d'en donner aux autres. Fantôme en fait c'est le suivant normalement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai eu. Oh putain, 10 points de compétence! Waouh, j'avais oublié ça. Ok! Bon, c'est une bonne chose! Nickel, on avait fait s'arrêter ici. Donc, bah, équipement, hein, tant qu'à faire. Merde. Ouais, carapace. Ok, t'as rien d'autre à apprendre. Ici. La merde. Robe de soie. Ah, un tout doux. Super, ça sert à rien. Beast Killer. Je peux pas te l'enlever. Ah, si, prends lui. Ok. Non, je vais pas enlever, je vais équiper. Flamberg. Soustraction. Bah voilà, c'est mieux déjà. Un mètre fier, on s'en fout, gantelet, main, zona, putain de chien. Toi, non, j'ai tout sans pas donné ça. T'as rien appris, c'est normal. T'as rien à apprendre. Des nilalites, linalites, j'en ai une seule. Blindage, beast killer. Je crois qu'il y a que elle qui peut apprendre des compétences. Beast killer, je crois que ça peut apprendre à quelqu'un d'autre. Je sais plus. Bon, j'apprendrai sûrement d'une autre façon. Donc, je vais quand même lui laisser. Histoire d'avoir de l'équipement. Bon, en fait, ça strictement à rien. C'était de la merde. Enfin, pas tant que ça. Donc, oui, les petites bestioles, toutes gentilles, on les croise en général en forêt. On les croise en forêt. Celle-ci, donc, la prairie, forêt maudite, la grotte de glace. Fantôme, c'est en haute prairie au-dessus de la brume entre la grotte de glace et Dali. Merde, c'est là en fait. Merde, c'est encore en traître. Que fait Jidane entre Dali et la grotte de glace? En fait, on va rester par ici. Attaque. Toi, t'attaques la même. Et toi, tu vas attaquer l'autre. Parce que toi, t'es badass. Et bim, t'es morte. Ah la princesse, quoi. Et bim, t'es morte aussi. Ah, quand même, il fait un peu plus mal. Un peu beaucoup, même. Il passe de 26 à 86. 84, tu vas faire attention. Tu vas revenir. Un point de compétence. Oh. Radin. On va rester par là. Il y a des fantômes, c'est dans les forêts. Hein. Haute prairie. Merde, haute prairie. Donc, c'est par là. Techniquement, je crois que la haute prairie au-dessus de la brume entre la grotte de glace et Dali. Techniquement, ouais, c'est ici, on peut les croiser. Je sais plus si j'avais déjà croisé celui-ci.
On va rester ici quelqu'un. Oh, ça fait de l'XP au pire. Alors voyons voir, Steiner, maintenant tu es en frontline. Attaque voir celui-ci. Oh, 126. Ah voilà, c'est déjà mieux. 162, ben voilà, c'est déjà beaucoup mieux. Voilà le tank, monsieur. Putain. Niveau plus, wouh. Il a un niveau supplémentaire. On va rester ici, on va rester en niveau de plaine. On va rester par là. Hey, il y a un... Hey, Renef, récupère-moi, je vais aller loin. Oh, fais chier. Ah, en fait, non, c'est à la prairie ou la grande forêt. Dans la forêt, entre Dali et. À mon avis, il y a. Vas-y, alors, juste pour information, attaque juste pour voir quand t'es en dos en défensif. Ouais, t'es quand même badass comme process. J'ai envie de dire. T'as la vache. Critique dans ta gueule. Ah, je vais vérifier. Excuse-moi, oui, t'en as la même épée. Marcus et Steiner. En même temps, c'est RP étant donné qu'ils ont la même épée en équipement. Ouais, c'est complètement stupide ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. J'assume totalement. Alors, la haute prairie, est-ce que ça parle là? Quelle est la différence entre la prairie et la haute prairie? Qu'est-ce qui vient de se passer là? La prise. Je crois que je vais me faire niquer. La prairie et la haute prairie, au-dessus de la brume entre la grotte de glace et Dali. Techniquement, je suis dans la haute prairie. Ah bah, je vous ai eu en surprise. Bouh, c'est moi. On attaque et tout, on s'en fout. Critique. Oh putain, la vache. Mais mon critique a fait mieux que toi, Steiner. Ah, la princesse qui dégomme tout, quoi. On a rien à foutre. Orphée, couverture. Enfin, t'as... Oh putain, t'as pris, en fait. Nickel. Ça joue à un point de compétence. Équipement, toi. Oh merde, niveau plus. Thunder Killer, couverture. Ouais, t'as que ça à prendre. Ok. Bah, en fait, reste comme ça. Allez, on va rester par là. Nous allons. Ouais, il me semble que la prairie c'est en bas et la haute prairie c'est ici. Techniquement, c'est comme ça que je le prends, quoi. Marcus, sérieusement. Et bim, c'est comme ça qu'on fait. Oh putain, elle est quasiment aussi forte que Donk. Mais c'est quoi cette princesse? Oh putain. Je te jure. Ah non, mais s'il vous plaît. Bon, je partirai à la recherche de ces machins là plus tard, de toute façon. Ah non, pas des surprises, j'en ai marre d'attaque surprise. Fuyez, bande de fous! Fuyez, pauvre fou, voilà, merci. Pff, tellement marre. Ok, allez, on va partir ici. On va sur Portud. Alors. J'ai envie de faire attaque dans la forêt. Les monstres sont pas du tout au bon endroit là où ils devraient être, c'est n'importe quoi. Allez, on attaque, on s'en fout. Bim. Et bim. Ah non, t'es pas mort. Marcus, enfin. T'as pas de skill. Putain, même la princesse, elle fait autant mal que Marcus. Oh là 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 là. Aucun respect, quoi. Bon, on s'en fout, on se casse. Ah, bref. Non. Laissez-moi jouer. Il fait trop froid maintenant. Il y a tout ça. Surprise. Allez, bim. Boum. 217. Oh. Allez, c'est fait. Elle est quand même pas beaucoup. Alors, si je la mets en offensif, la princesse, elle fait des dégâts quand même.
Par contre, elle en prend aussi. Allez, princesse. Ouais, niveau 8, tu rattrapes la princesse, c'est bien. Mais t'as niveau plus aussi, donc toi tu triches. Toi tu triches! Ok, en fait, je me suis trompé de côté, monsieur. Je voudrais passer. J'ai un laisser passer. Ouais, tiens. Merci! Au revoir! C'est plaisant de vous voir. Oh, il y a un gars dedans. Ils ont modélisé un mec dans la fente. Je trouve qu'il faut foutre juste une fente, un truc du genre, mais non, ils ont modélisé un mec à l'intérieur. Ça sert à rien! Hop, on saute! Descends. Non, ça va. C'est trop se faire niquer. 1610. Oh, bien. Hop, on passe par là. Bonjour. Je vais passer. Ouais, c'est cool. Ouais, mais c'est ça que je veux faire. Allez-vous laisser passer? C'est bon, allez-y. Hé, hey, laisse-la passer. Merci. Soyez prudente. Merci beaucoup, je me crasse. Bon, on a fait un tour par Dali. On va à la traîneau, je crois. Parce que de toute façon, on n'a pas que ça à foutre. Hein. Alors, on va se faire attaquer ici par des petites monstres tout gentils par fantômes. Ah oui. Ah bah oui, normalement, c'est de rester par ici, étant donné que... il fait tout le temps nuit, ici. C'est un microclimat, enfin il y a des endroits où il pleut tout le temps, des endroits où il fait toujours beau, il y a toujours des tempêtes, là il fait toujours nuit. Il fait toujours nuit, c'est un truc de fou. C'est nuit ou rien. Ah, j'ai juste oublié de me soigner. Princesse, fais ton rôle de healer. Ah, bonjour Crépouille. Quelque chose à dire? You. Non, je suis pas... Non, arrête ma buse. Reste là, t'es sage. Hop. Mais tu l'as. Il sert vraiment à rien, ce mec. Bim. C'est comme ça qu'on fait. Putain. La princesse est en forme, attention. Elle dégomme tout. Appuie. Ouais. Ah mince, elle a appris des choses, j'ai oublié de regarder. Qu'est-ce que t'as appris, princesse? Non, équipement. Non, c'est pas un apprendre, c'est quoi? Je sais plus ce que t'as appris. Ah! Blindage. Bon. Dans ces cas, tu apprends un truc genre percé. C'est pas l'apprendre de plus. Ouais, ah merde. Oh! Vie! Non! Dépêche-toi, il me faut combien de cécité? Mais en fait, ça n'a rien à foutre de cécité. Scan. Mettre scan d'abord. On s'en fout. Dégage, on va faire des petits combats. Alors là, je vous présente Traîneau. La cité où il fait toujours nuit. Ah, Astrid. Ah, combat. N'importe quoi. Alors, c'est une session de combat, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Une session de level up où on explore, on essaie d'explorer tant bien que mal. Allez. Alors, techniquement, t'es pas censé faire beaucoup de dégâts, Dagaz. Fil, non. Démarre. Et bim. Ah non. Alors, on va... Oh, mais laissez-moi faire 2 mètres. Oh non, viens, viens. C'est le fantôme. C'est le fantôme? Oui, c'est le fantôme! Le petit fantôme qu'on attendait. Merde, il est bon le truc. Ok. C'est le deuxième. Donnez-moi vos gemmes. D'accord. Non, parce que des diables, gentils petits fantômes, alors du coup. Non, Fripouille, touche pas à ça. Psst, psst. Fripouille, arrête. Arrête de m'embêter. Psst, et fini. Alors surtout, ne jamais les attaquer, ces petits mages. Ils sont trop mignons. Ils vous aident en fait à buter le méga boss de Final Fantasy. Alors, Gaïa dans ce jeu, je ne connais plus le nom exact. Je pense qu'il y en a un qui va m'en vouloir à mort. Ce n'est qu'il est de FF14. Undead Killer. Wouh. Donc. Putain, c'est des points de compétence à mort, quoi. J'aurais dû venir avec. Comment il s'appelle? Zidane. Complètement. Alors, fais. Apprendre. Putain, quoi. Vite. Undead Killer. Wouhou. Ah, génial.
couverture. Bon, en fait, attends, t'apprends rien de plus. Compétence. On va voir qu'est-ce que je peux t'activer. HP plus 10, Bear Killer, Anthem Killer, Undead Killer. Undead Killer, c'est les morts vivants, ça, c'est les insectes. Tueur, c'est les humains. Prudence, ça protège les attaques en traite. Putain, il faudrait tellement ça. Qu'est-ce que j'ai pas besoin? Orphée, c'est quoi? Protège de obscurité, la toxique des poisons. En fait, ça sert strictement à rien. Les assassins volants, biscuits, c'est les bestiaux, étant donné que. Oh, putain, en plus, il a ça, quoi. Une facilité à tuer les bestiaux. En tant que des. Ah, on va taper les insectoïdes. Ça se trouve, les araignées, c'est considéré comme des insectes, et donc, du coup, il tapera plus fort dessus. T'as pas les compétences à activer, toi, je sais pas. Si, tout doux. Wouh, je vais apprendre tout doux. Facile, les pétas. Oh, c'est cool. Ça me protège de fossiles et pétra. Ok, donc ils attaquent comme j'ai eu tout à l'heure. Je veux bien. Je veux bien. Le prochain, c'est Miscoxy dans la région située entre la caverne de Gizmar et Blue Messia. On va pas de le faire, ça. Genre, merde, j'ai fait demi-tour. Non. C'est pas ça que je voulais faire. Oh putain, c'est chiant. Oh, des mandragores. Ah, c'est une masse pour les compétences, ça, si je me souviens bien. Par contre, je crois que c'est chiant à tuer. C'est pas grave. Glapi. Non, pas sur Daga, pas sur Daga, pas sur Daga. C'est cool. Je m'en fous, lui, on s'en fout. Raté. Pim. T'es pas mort. T'es pas mort. Fuite. Repli stratégique. Ah, je veux qu'ils attaquent à 3. Ils vont faire ta... Oh non, après tout. Magie blanche. Soin sur tout le monde. Attaque. Attaque. Y'a rien à voler, on s'en fout. Oh, des potions, un truc du genre. Par contre, du coup, ils vont utiliser la magie. Bim! Critique! T'es pas mort? What? Non! C'est quoi ces machins? Bim! Sur des... Zéro! Ah! Comment t'es trop nul! Par contre, attaque tout le monde. Tout le monde attaque. Pas de blague, pas de blague. Oh vache! Boum, ils sont morts! C'est quoi cette pause, les gars? Ils donnent 307 points d'expérience quand même. Une masse points d'expérience. Par contre, 2 points de compétence, c'est vraiment de la merde. Ah, si, si, si. Ouais, ok, ça, on s'en fout. Objet. C'est le Boca. Non, pas toi. Boca, ça enlève mutisme. Ce dont souffrait. Ah, merde, c'est vrai que c'est ici. Donc, moi, je voulais aller là-bas. Ah, fais chier. Laissez-moi faire 2 mètres. Sérieusement, je peux pas faire 2 mètres dans une forêt sans se faire attaquer. C'est quoi cette forêt où il y a des monstres de 2 mètres? Des mandragores, encore. Glacipus, ils vont faire tellement. 80 seulement. Bim. Bim. Baboum. T'es mort. Putain, pour son nom, t'as perdu de vie, donc techniquement, il fait un truc à zéro. Un pec. Putain, dégage, j'aime pas quand t'as toute seule comme ça. En fait, l'ourson, si je me souviens bien, ouais, ils attaquent à zéro parce qu'en fait, ils ont reçu aucun dégât. L'ourson, ça, c'est comme la soustraction de Steiner. La soustraction de Steiner donne le point de dégâts qui manque entre ses points de vie maximum et les points de vie actuels, alors que le ourson donne le nombre de points de vie qu'il a perdu. En fait, ouais, c'est exactement la même chose. Mais en fait, non, c'est comme soustraction. C'est ce que je disais. Donc moi, je voulais aller là-bas. Ah non, j'ai tellement cru que j'allais pouvoir sortir. Oh. Ah, j'y ai cru quoi. À fond. Oui, alors c'est la forêt des mandragores ici. Alors tout le monde se concentre sur un mandragore. Ourson, tant que j'attaque personne. Oui, pas de mal. Donc toi t'as attaqué, on va t'attaquer toi. Ok. Bim, bim. Ok, un zéro. Ok, nickel. Ça va très bien. Devant ta gueule.
Pas dans ta gueule. Oh oh. Pourquoi t'as fait un critique? Pourquoi t'as osé faire un critique? Oh. Bon, ça va, c'est lui, je m'en fous. Un ourson. Lui, il a pris cher, par contre. Ouf. Ouais, c'est le point de dégâts qu'il a pris. Donc, ok. Ça m'a annoncé. Oh, t'as qu'un nom. Ah, il peut m'en buter, hein, quoi. Steiner, Steiner, Steiner. Pff. Ok. Ok, tu peux pas tu peux... Oh merde, il a pris deux coups. Attends. Merci Steiner, j'ai eu très peur. Mais en plus, ça arrive. Ok, niveau plus, niveau 10. Putain, Steiner, par contre, il a pris poil de la bête. Loul, je vais pas le guérir, je vais pas l'utiliser. Hein. Il utilise pas la magie de toute façon, donc on a strictement rien à foutre. Ok, mais quel est donc. Pardon, excusez-moi. Hop. Est-ce que je peux. Non, je peux pas ici. Alors, je peux me faire attaquer par contre. Si je me souviens bien. Un éther. Cool. Je crois qu'on peut récupérer d'autres choses. Oui, il y a un coffre en bas, c'est sûr. Est-ce qu'on peut descendre? Est-ce que t'as des compétences d'acrobate? Oui, t'as des compétences d'acrobate! Wouhou! Oui, ici. Ah, pardon, le chien n'est pas d'accord. Tous les HP et MP restaurés! Kiff, kiff, kiff. Un éther! Chut, ça suffit le chien. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. J'ai vu un point d'exclamation, j'ai appuyé. Oh non! Un peu plus loin, ouais! Alors si je me souviens bien, là-haut, on récupère un... C'était en masse ici. Non. Ok. C'est cool. Donc on apprend que Bibi est passé par ici, apparemment. Je crois que... De l'écume. Ah oui, et là donc merde. Là en fait on peut on pourrait y retourner plus tard avec un chocobo doré ou un chocobo en tout cas qui va dans les eaux profondes. Il te faut un piment en coup. Et là je crois qu'il y avait aussi un trésor de côté. Donc on va retraverser la forêt de tous les dangers. Vite sortir de la forêt, vite sortir de la forêt. Non! Arrêtez de m'attaquer, les mandragores! Faut que vous donnez pas mal d'XP. Ça peut être pas mal. Ah non, c'est bon, c'est pas des mandragores. Ça va, c'est de la merde. Tous les points de vie, tous les points de mana. Par contre, j'ai toujours mutisme. Bim! T'es mort! Ok, t'as gagné en skill. Nickel, c'est pas arrivé. Bon, on va aller jusqu'à Traîneau et après on va se quitter ici. Je ferai sûrement une coupure donc sur le combat que j'ai eu avec le Valseur 3. Au pire, je ferai une coupure sur quelques combats. Oh, les accélérer, je ne sais pas. Ah, j'en peux plus! C'est ultra lourd quoi. Il y a un combat tous les 2 mètres. J'avais oublié à quel point c'était chiant ça, à ce niveau-là. Ah, t'as perdu en ski par contre, dégueu. Allez, Steiner, reprends ta place de tank. Bim! Nickel. T'as level up de toute façon. Ça, c'est une bonne chose. Ok, bon. Niveau plus, tu peux enfin récupérer autre chose. Je peux enfin te mettre autre chose en équipement.
C'est quelle? C'est armée Phantom Killer. Donc ça sert strictement à rien, Phantom Killer. On va passer directement au suivant. Prudence. Nickel. En fait, du coup, ça sert plus à rien, ça. Ben, en fait, je te garde Phantom Killer. Ici, Prudence, c'est celui qui ramène le plus. Donc, j'ai envie de dire... Banco. Allez. Allez, allez, allez. Nickel, on pourrait y arriver. Non! Pourquoi je dis toujours un truc comme ça? Toujours un combat dès que je le dis. Oh, fais chier. Bon, j'aurais beaucoup XP, n'empêche, au niveau de dégâts et tout ça. Je crois que c'est au niveau 11, 12. Je crois que c'est au niveau 11. La petite daga, il va falloir que tu m'expliques. Oh, ok, bon, daga quand même un peu de skill. Toujours un peu. Boum, allez. Ah, 632, ça les tue, 160. Ça les achève. Ok, niveau 10, bientôt 11. Ouais, non, 10, 11, c'était Steiner. C'est vrai que j'avais fait passer un gars niveau 11. Bon, on va sauvegarder ici. On appelle le petit Mog. Sauvegarde, oui. On sauvegarde Kubo sur la fente 1. Alors, j'ai pas peur sur celui-ci, étant donné que je prends un autre logiciel par rapport sur Tomb Raider. Donc, techniquement, non, je vais pas garder. Ok, donc techniquement, ça devrait être bon. Ok, rien du tout, dégage. La fois que tu voudras Kubo. Ok, les amis, on se laisse. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures sur Final Fantasy IX. Allez, ciao, ciao!